Les échecs des organisations internationales sont le plus souvent attribués au manque de compétences interculturelles de leurs employés ou managers. La littérature a pourtant du mal à s'accorder sur la définition du concept de compétences interculturelles individuelles. Comment alors définir et mesurer les compétences interculturelles et comment les acquérir? Certains auteurs pensent que la compétence interculturelle est un trait de la personnalité. D'autres pensent, au contraire, que la compétence interculturelle peut être apprise et souligne davantage le processus d'apprentissage qui passe par une réflexion critique sur sa propre culture et la prise de conscience de la diversité des autres. L'influence de l'environnement familial et le fait, par exemple, d'avoir des parents biculturels contribuent notablement à l'acquisition de compétences interculturelles. Hors d'une autre étude, nous constatons que l'environnement familial n'est pas nécessairement crucial, car des individus non issus de parents biculturels peuvent avoir acquis une sensibilité culturelle dans le cadre de leurs études ou bien au cours d'expériences professionnelles. Les expatriés peuvent ainsi démontrer une meilleure adaptation culturelle que les biculturels. On constate aussi que l'acquisition de cette compétence interculturelle peut être liée aux ressources matérielles qui l'accompagnent, comme la facilité de mobilité internationale, les stages dans un environnement multiculturel. Enfin, l'effort des individus en apprentissage interculturel semble peu abordé en littérature scientifique. Pourtant, il est important de vouloir interagir avec les différences culturelles au départ. Le comportemental joue ainsi un grand rôle dans les compétences, notamment l'ouverture à l'autre. Cette étude nous a permis d'étudier le point de vue des collaborateurs à titre individuel, ce qui est encore peu étudié dans la littérature en gestion. Nous pensons que le parcours de l'individu, grâce à son environnement familial, à son éducation scolaire, ainsi qu'à l'expérience acquise dans sa vie professionnelle, contribue de manière importante à l'acquisition des compétences interculturelles. Quant au manager, l'ouverture à l'autre peut faciliter son travail dans l'environnement multiculturel. Mais même doté de sensibilité et de compétences interculturelles, il lui sera difficile d'assumer son rôle si son équipe ne contient pas de personnes ayant ces compétences. Les managers peuvent alors avoir besoin d'être accompagnés, par exemple, en formation en management interculturel. Voilà d'où vient la difficulté d'un manager international aujourd'hui. Car aucun manager ne peut apprendre tout sur les cultures et groupes ethniques existants, mais l'intérêt réel porté à l'individu et à ses origines prouve de la compréhension de sa part. C'est pourquoi le manager de demain doit devenir un médiateur avec intelligence culturelle importante. Au-delà d'un manager idéal hybride, capable d'absorber plusieurs cultures, on met en avant le caractère flexible du manager qui lui permet d'éviter les chocs culturels et de s'adapter dans des cultures différentes. Ainsi, les collaborateurs multiculturels, tout comme le manager, peuvent représenter un avantage compétitif pour une organisation internationale.